Salut les bichons, j'espère que ça roule. Aujourd'hui, un jour un petit peu spécial pour tous ceux qui ont regardé mes stories sur Instagram. Vous savez que je suis en train de passer ma formation de télépilote de drone et il y en a beaucoup qui ont dit « Ah, on aimerait bien en savoir plus, on aimerait bien voir l'envers du décor, etc. » Eh bien, aujourd'hui, entre deux chantiers de la maison, entre deux trucs, j'ai sorti le matos vidéo et je vous emmène assister un cours de formation de télépilote de drone avec Gauthier. Allez, suivez-moi. Bon les bichons, ça y est, je viens juste d'arriver à l'aérodrome de Saint-Chamond. On attend le Gauthier pour notre formation aujourd'hui. Et on a déjà quelques collègues qui sont arrivés. Bonjour à tous, je m'appelle Gauthier Beltry et aujourd'hui on va parler drone. Alors comment ça se fait qu'on parle drone? Vous allez me demander... Ah, salut Laurent. Attends, excuse-moi Gauthier, en fait ouais. Ton intro elle est super, mais en fait on n'est pas sur ta chaîne YouTube, on est sur la mienne. Parce que moi j'ai vu une caméra tout de suite, tu vois, je me suis ouais, dit... Non, okay. Mais t'as très bien réagi, mais... On parle au bichon alors, on parle au bichon. Allez, voilà. Très bien. Bonjour à tous les bichons, aujourd'hui on va parler drone. Pourquoi? Parce que Laurent est en formation, je m'appelle Gauthier Beltry, je suis instructeur pilote et je vais vous expliquer comment ça marche. Moi j'ai 30 ans, ça fait 5 ans que j'exerce le métier de pilote de drone, donc comme je viens de le dire, je fais la formation pour les futurs professionnels qui veulent utiliser le drone dans leur métier. Et je fais également de la prestation, on fait de la prise de vue, de la topo, de la thermo, tout ce qu'ils veulent, on s'en charge. Pour devenir pilote de drone professionnel, il y a besoin d'un théorique et d'une pratique et nous on prépare aux deux. Ça se passe en une semaine à Saint-Étienne, là où j'exerce. Alors il faut savoir qu'aujourd'hui il y a pas mal de personnes qui volent sans le permis, mais à partir du moment où vous sortez de votre propre loisir personnel, il faut passer cette pratique et passer le théorique télépilote de drone et c'est ce à quoi on prépare aujourd'hui dans notre école. Alors, à quoi ça sert de se former et pour quelle utilisation derrière? Il faut savoir que le drone, c'est un outil plus qu'un métier. Au départ, on avait pas mal de gens dans l'audiovisuel, mais de plus en plus aujourd'hui, on a des spécialisations techniques. Comme par exemple, derrière moi, j'ai un élève qui est charpentier et qui est là pour faire de l'inspection de toiture, mais on peut faire également de la topographie très précise, de manière très efficace sur de grandes surfaces avec des drones ou encore des bilans thermiques. Pour les bichons, je pense que ça vous intéressera. Il y a pas mal d'utilisations qui peuvent concerner votre métier aussi. Le type de drone sur lequel on va s'entraîner et que vont utiliser la plupart des professionnels, c'est du Mavic. Hein. C'est des drones qui sont très automatisés et qui permettent de faire les choses assez simplement, même si on vous forme dans notre école justement à commencer avec du vol manuel pour être sûr que vous ayez les bons réflexes. Mais vous pouvez trouver d'autres types de drones, comme par exemple ce drone FPV, Martin, pour ceux qui connaissent, ceux qui sont de la chaîne, qui peuvent aller très très vite et faire des plans beaucoup plus spectaculaires, où là c'est tout manuel et il faut plusieurs mois pour s'entraîner avant de faire de belles images. Donc il y a vraiment tout type de drone et quand vous entraînez avec ça, ça donne ça. C'est un truc de débile. Ça donne chaud. Bon allez, on retourne sur la piste en formation. Je m'appelle Jeff. Voilà, je viens de l'Ain. J'ai donc 3 fois 20 ans à peu près. Voilà. Et pour la formation donc pilote drone, donc l'envie animée d'une passion aussi, et puis de pouvoir peaufiner un petit peu les réglages d'une part du drone, et puis surtout la réglementation, la législation qui aujourd'hui est très encadrée. Et de façon à ne pas faire n'importe quoi.
Alors, ce qui m'a plu le plus dans cette formation... C'est le formateur, bien évidemment. Voilà. Enfin, je veux dire, en toute modestie, je vous laisse tranquille. Merci, Gauthier. Voilà, effectivement, cette convivialité, et puis surtout, bien sûr, l'esprit aéronautique qui est là, et puis qui est avec moi. Voilà, et en plus, donc... le parapente des Isdéol, hein, voilà une team magnifique dans les monts du Lyonnais que je représente humblement et qui nous accompagne. Cet esprit aéronautique qui permet de voir un peu une vision quand même générale du monde et puis une autre vue. Bonjour, je m'appelle Fabien, je viens du Puy-en-Velay, c'est à peu près à une heure de route d'ici. J'ai choisi de faire cette formation un peu pour mon boulot, ça me permettra de faire des plans sur des chantiers qu'on a réalisés. Nous, on travaille, on a une société où on fait du revêtement de sol, donc on fait des gros chantiers et on veut valoriser nos chantiers. Et le seul moyen de valoriser, de faire des photos et des petits films sympas, c'est d'avoir un drone parce qu'il faut s'élever pour visionner le chantier. Après, il y a aussi un intérêt personnel. Je m'occupe beaucoup d'associations de voitures et motos anciennes et on a souvent besoin de faire des petits films ou pour des rencontres, pour des balades, des choses comme ça. Et donc le drone, c'est un bon moyen aussi de promouvoir des petites associations et de présenter ce qu'on fait. Déjà, j'ai trouvé qu'il y avait une très très bonne ambiance. C'est très sympa, même pour des gens qui ne connaissent pas du tout le drone. J'étais étonné qu'il y ait des personnes de tous les âges. Et je m'attendais à tomber sur des petits jeunes et puis je me suis rendu compte que je ne suis pas le plus vieux. Moi, ce que j'ai préféré dans la formation, c'est évidemment conduire, piloter les drones. Donc, surtout dans un endroit comme celui-ci où on voit des avions de partout et moi, j'adore tout ce qui vole. Je m'appelle Yasser, j'ai 23 ans, je suis aussi en formation de droneur professionnel, donc avec Gauthier. Cette formation est super importante pour moi, pour mon avenir professionnel. Parce que plus ça va, plus on a besoin d'autorisation pour piloter en toute sécurité. Et vu que je travaille moi aussi sur YouTube, j'ai besoin d'être totalement en règle. Je suis Olivier Brunon, j'ai 48 ans. Donc je suis là en tant que formateur pour aider Gauthier. Donc moi j'ai débuté, ma carrière professionnelle dans l'armée de l'air, où j'ai fait une formation pour devenir mécanicien de Mirage 2000. Oui, j'ai exercé pendant 18 années de ma vie. Suite à ma carrière militaire, je suis donc parti dans le civil où j'ai fait tout un tas de choses. Mais forcément, l'aéronautique me rappelait à l'ordre et c'est pour ça que j'ai voulu devenir télépilote de drone pour me rappeler un petit peu l'univers des airs et faire de jolis plans avec. Donc aujourd'hui, j'aide Gauthier dans ses formations. Pour justement apprendre tout cet univers qui est l'univers du drone, qui est un univers incroyable et plein de surprises. Alors moi c'est Gilles, je viens d'un petit village au pied du Puy de Dôme, à côté de Clermont-Ferrand. Voilà, mon village natal s'appelle Manson, sur la commune de Saint-Jean-des-Champanelles et j'habite au milieu des volcans. Alors il existe des aides puisque je suis aujourd'hui dans le cadre d'un CSP, contrat de solidarité professionnelle, qui m'engage à retrouver une activité rapidement dans l'année qui suit un licenciement, malheureusement. Et donc là, j'avais un an pour choisir une formation qui m'a été financée par Pôle emploi. Alors ce qui m'a le plus plu dans cette formation, c'est que je me suis complètement trouvé immergé dans un monde que je ne connaissais pas, puisque bon, moi, mon domaine, c'était les vaches, l'agriculture, et on va dire les vaches. Ouais. Et aujourd'hui, je me retrouve un peu dans les airs, sur un monde complètement nouveau pour moi. Alors, ça m'a beaucoup impressionné les deux premiers jours de la formation parce que j'étais pas du tout dans mon milieu, j'ai perdu tous mes repères. Et aujourd'hui, maintenant qu'on est sur le terrain, je commence à m'éclater. Alors aujourd'hui, je vais être sacrément motivé pour passer le brevet parce qu'après deux jours d'immersion où j'ai un peu galéré, je commence à sortir de l'eau, les ailes commencent à prendre forme et franchement, je pense que je vais m'éclater et la semaine prochaine, j'achète mon drone. Donc, Patrice Coller, je viens de Lyon, 48 ans. Alors, ce qui m'a donné vraiment la motivation de venir à cette formation, c'est que début janvier, je me suis mis en activité professionnelle en tant que photographe et je trouvais assez intéressant d'avoir un autre panel à offrir
Et je trouve que le drone aujourd'hui c'est l'avenir et il faut s'y mettre maintenant tout simplement. Voilà d'autres perspectives, d'autres points de vue, également d'autres prestations qui vont sortir peut-être simplement des mariages ou des choses de ce genre-là et d'aller un petit peu plus sur des prises de vue techniques. Alors cette formation, franchement je la trouve géniale. Le formateur il est tip top et c'est plus qu'un formateur parce que il a la passion dans les yeux et il a la passion quand il nous explique les choses et en fait il nous donne envie quoi. Donc c'est vraiment à recommander à tout le monde. Alors ce qui m'a, moi, franchement fait le plus flipper, et je pense qu'il y en a d'autres aussi, c'est le décollage et l'atterrissage à réception à la main. Ouais. Et par contre, au niveau sécurité, au niveau confiance, Gauthier nous donne vraiment ces petites notions pour nous montrer comment faire les choses, mais en tout le temps en totale sécurité, et ça c'est vraiment quelque chose que j'apprécie. Écoute, moi je connais pas mal de personnes qui se sont achetées des drones au niveau simplement loisir. J'aurais envie de leur dire venez, parce que on s'aperçoit que le drone, pour reprendre son expression, c'est un blender volant. Ouais. Et c'est quelque chose qui est un outil magnifique, mais qui peut être assez dangereux. Et donc en faisant cette formation, on apprend pas mal de choses et je trouve que ce serait vraiment important que tout le monde puisse le faire. Bon les bichons, alors cette fois c'est à mon tour de finir ces petites interviews parce que je déconne mais en fait ils m'ont dit « Ah tout le monde est passé, toi t'es pas passé et tout !» Donc j'étais pas parti pour faire un truc comme ça, pour faire autant de contenu sur cette journée, mais du coup j'ai trouvé ça tellement génial de vous faire partager ça que ça me fait super super plaisir. Moi pour résumer dans mon cas, j'ai voulu passer le télépilote de drone parce que plus ça va, plus vous le voyez sur LJVS, Bichon TV, et bien plus on va faire de la visite d'usine, plus on filme des chantiers et de plus en plus on a besoin de plans aériens et on se rend compte, comme vous êtes nombreux à nous le dire, que visuellement, eh bien tout de suite une image, une captation drone, ça change tout, c'est joli, on peut intégrer ça dans des b-rolls et tout, c'est chouette. Et c'est vrai que jusqu'à présent on le faisait, mais on va pas se mentir, niveau de législation des fois on était souvent un petit peu border. Et nous, ce qui nous intéressait vraiment, c'est pouvoir être tranquille, être droit dans nos baskets, niveau sécurité, niveau tout, et vraiment être au top du top niveau réglementation, de manière à ce qu'on puisse travailler et vous faire des images en toute sécurité et en toute sérénité. Parce que comme ça, au moins, quand on ira filmer quelqu'un et qu'on filmera du drone, on se dira pas « mince, si les gendarmes arrivent, mince, si la voisine gueule, etc. » Au moins, on est sûr et certain dans les clous. Et puis, finalement, moi, la chose qui m'a le plus surpris, c'est que je suis arrivé là en me disant « ouais, ça fait 2 ans que j'ai un drone, je pilote, je maîtrise, je taquine. » Et en fait, je me rends compte qu'il y a beaucoup de choses que je faisais, c'était vraiment moyen de chez moyen et j'ai vraiment réappris beaucoup de choses avec Gauthier. Et puis ce qui m'a aussi beaucoup plu, c'est toute l'ambiance. On a eu une super ambiance dans le groupe, alors je sais pas si c'est moi qui ai eu du bol ou si c'est à chaque fois comme ça, mais on s'est fait plein de potes, on s'est échangé les Facebook, les Insta, c'était vraiment vraiment sympa. Et puis c'est marrant parce qu'il y en a qui viennent là pour travailler dans le bâtiment, il y en a qui viennent là pour faire de la topo, il y en a qui viennent là pour bosser dans des communes, il y en a qui viennent là parce qu'ils sont dans l'audiovisuel. Et donc du coup on s'échange un petit peu tous les contacts et on se dit « Ah c'est cool, ça vient un petit peu de partout en France ». Et moi j'ai vraiment trouvé ça génial. Ça fait partie des choses qui m'ont le plus plu, avec bien sûr la découverte de tout un tas de fonctionnalités de mon drone que j'avais depuis un an ou deux, mais que finalement je ne savais pas tellement m'en servir. Donc là, j'ai appris plein de choses, ça fait vraiment partie des choses qui m'ont plu. Et puis, parmi les choses qui m'ont, moi, mis un petit peu en difficulté, on va pas se mentir, faut quand même bûcher, faut quand même bosser. Et donc, le soir, après 6-7 heures de cours, tu rentres chez toi, tu fais des devoirs, t'apprends, alors les scénarios, voilà. Et puis le lendemain, autour du café et puis des petits croissants, on a toujours droit à notre petit questionnaire. « Lolo, donne-moi le scénario !» Et là, si tu sais pas, je te dis que Gauthier, c'est pas un temps. Enfin bref, donc tout ça pour dire que, en tout cas pour moi, bien sûr, la suite de cette aventure, dans quelques semaines ou dans quelques mois, ça va être le passage du brevet. Donc je vais me présenter à l'examen officiel de la DGAC, ça va se passer à Lyon. Je vous retiendrai au courant en tout cas, maintenant que toute la partie formation est quasiment terminée, puisqu'il ne reste plus que demain. Mais je peux vous dire qu'en tout cas pour moi c'était vraiment une belle aventure, une belle expérience et surtout
J'ai rencontré ici des belles personnes. Je vous mettrai bien sûr toutes les coordonnées de Gauthier, sa chaîne YouTube, son entreprise ProDroneur, etc. De manière à ce que si vous avez besoin de le contacter pour des renseignements, si ça vous intéresse, il existe plein de possibilités de financement et donc il vous expliquera tout ça. Mais en tout cas, c'est pour ça aussi que je voulais vous partager cette aventure au milieu de tous mes chantiers, parce que ça fait partie de ma vie et que c'était vraiment un bon moment que j'ai passé. Allez les bichons, je vous laisse avec 2-3 petits plans et puis je vous mets tous les liens dans la description. Et puis moi, je vous donne rendez-vous à la maison quand même pour continuer le chantier. Allez, hier. Bon les bichons, Yasser, t'es aussi sur YouTube, toi aussi. On sait qu'on peut te trouver. Toi, tu fais de la musique, tu fais pas mal de choses, des arrangements. Je fais de la musique, je mixe le tout, je fais vraiment tout de A à Z. Et j'ai une chaîne qui s'appelle AK Drone. D'accord, on mettra ça dans la description ou dans le i. Vous pouvez aller jeter un petit coup d'œil. Voilà, et puis t'es sur Insta aussi, je crois. J'ai Insta, Facebook, oui. T'as tout ça, ok. J'ai tout. Compte Instagram, Patrice Color Photo. Mon site internet, patricecolor.com. Color, comme la couleur avec un A. D'accord, voilà. D'accord. Alors, s'il y a des gens de Lyon qui cherchent un bon photographe, voilà. patricecolor.com, je vous mets les liens dans la description. Merci Lolo. Et oubliez pas le petit pouce. Génial. La radio commande. Ah non, après les morts. Oui, c'est ça. Voilà, maintenant tu peux prendre la télécommande. C'est gentil, c'est maintenant que tu les mains bien mouillées. Ouais. Merci. Merci. L'hygiène, c'est important. Bon les bichons, je pouvais pas finir cet épisode sans remercier toute l'équipe de Gauthier qui nous a réservé un super accueil, mais également tous les stagiaires qui se sont retrouvés avec moi. Il faut savoir qu'on n'avait absolument pas prévu de filmer et tout le monde a bien voulu jouer le jeu. Ça s'est super bien passé et en tout cas, j'étais très 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 content de vous passer ces quelques images. J'adresse également un big up spécial à Guillaume, le charpentier de l'équipe, l'ami suisse qui aimait pas trop être sur les vidéos, donc qui a pas souhaité que je l'interviewe, mais sincèrement on pense à lui. C'était aussi une belle rencontre et je le remercie aussi de m'avoir aidé en off derrière à filmer quelques plans, parce que moi aussi il fallait bien que je me forme, et donc il y a plein d'images qu'il a faites pendant que je pilotais et que je suivais mes cours. Bien évidemment, je vous tiendrai au courant du passage de mon diplôme qui devrait avoir lieu d'ici un mois et demi, le temps que je révise bien. Et puis bien sûr, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et puis si l'univers du drone vous intéresse, que vous bossiez dans l'audiovisuel, que vous soyez photographe ou même dans le bâtiment, je vous mets tous les liens dans la description. Et comme d'habitude, je vous invite à laisser un énorme pouce bleu si cette petite vidéo des coulisses vous a plu. Moi, je vous dis à très vite sur Bichon TV, Radio Bichon et LJVS YouTube. Allez, hier yeah. Ah oui, au fait, abonne-toi si t'es pas encore abonné, c'est gratuit. Et puis tu peux aussi laisser un petit commentaire, ça fait plaisir. Allez.